Hey, salut les gens, c'est Slan. On se retrouve sur Victoria 3 avec la Chine des Kings et évidemment avec le bug des icônes. Je n'avais pas vu que j'avais pas relancé de recherche. Bon, c'est pas grave, on sait que la majorité de nos recherches, 300, bah du coup, puisque je l'utilisais pas, c'était réparti à 60%, donc c'était pas non plus complètement perdu. C'est ça la bonne nouvelle, hein, c'est que quand on s'en sert pas, c'est rediffusé ailleurs et comme j'ai plus les malus. Bah, c'est rediffusé à hauteur de 60%, ce qui est pas si mal. Alors, les turbines à huile, non. La surgélation, non. Le soudage à l'arc. Des moteurs, de l'acier, de l'électricité. Pour le secteur de construction, de l'électricité, ça pourrait piquer. Ça pourrait être pas mal, mais bon, tout ça, ça va se faire tout seul maintenant, hein. Je pense, en tout cas. On va aller chercher du militaire surtout. On va aller chercher les troupes d'assaut aussi, je pense. Combien? 5 ans, ça va aller vite, hein. Les troupes d'assaut, les sous-offs, plein de trucs, hein. Mais après tout, ce qui se fait le plus vite finalement, c'est le côté marin. Il s'est fait pas mal, hein. Il a bien avancé. Et là, je vais avoir les destroyers. Excellent. Bien. Donc, là, c'est en train de s'auto-attaquer. Moi, ce que j'aimerais lancer maintenant, là, c'est un petit assaut. Voilà, j'ai cliqué. Transférer un sujet. Transfère-moi Hyperabad. Merci. Et du coup, on va là déclarer la neutralité ici. Déclarer la neutralité ici. Et ici, alors on va en demander d'autres, mais à mon avis, il va me lâcher le truc. Donc, à mon avis, on va les demander pour rien, hein, mais bon. Demander Basta. Alors, attends, qu'est-ce qui coûte cher? 33, Tripolitaine, ça m'intéresse pas. Nouvelle-Galles du Sud, non, ça c'est le. Oh, hé hey. Tu sais quoi? Fais-le-moi. Quoi d'autre? Bah, j'aimerais bien avoir le Makran et le Sine pour fermer un peu la frontière. Et après prendre les trucs des côtes. Donc le Sine. Le Makran. Le Travancore. Voilà, bah c'est tout. Mais il va me donner que Hyperabad. Et mais s'il lâche pas l'affaire, et ben on aura des trucs sympas à aller chercher. Je pourrais conquérir aussi la Grande Galle du truc. Mais il ne faut pas le faire. Parce que ça me permet d'avoir un objectif de guerre sur lui. Enfin, ça plutôt ça me permet de lui envahir des trucs. Et c'est vrai qu'on pourrait être intéressé par ça à terme. S'il y a du pétrole là-bas, je ne dis pas non. On verra. On verra si on s'étend plus. Ça dépendra du pétrole en fait, vraiment. Et c'est susceptible de nous intéresser. Bien. Ici, on va aller relever tout le monde. On a encore des garnisons, visiblement, qui sont pas à jour. C'est nos Japonais. Hop. Voilà. Donc là, on est bien. On remet tout le monde. Alors, par contre, effectivement, on va passer comme ça là. Mais ça veut dire qu'on pourrait manquer de munitions. Donc, on va mettre les usines de munitions très rapidement en route. Hop là.
Ça va arriver doucement. Alors, hop. Je pense qu'il va juste me donner Hyperabad. Hein. Il a cédé. Il a cédé. Tout simplement. Ça va être pénible hein, parce qu'on peut pas lui prendre tout. Ça c'est un tous les 5 ans quoi. Hein. Bon du coup par contre on va annexer Hyperabad tout de suite. On recommence. Pour ça que réformer mon armée c'était pas très grave. Hein. Oui, je sais, il y en a que j'ai mobilisé, que j'ai envoyé nulle part, mais je pense pas avoir besoin pour battre 25 hommes de tant de trucs que ça. Par contre, si quelqu'un s'en mêle, on ira chercher. De toute façon, maintenant on a combien d'infamie? 542, ça change rien en fait. Hein. On a compris qu'on descendrait pas en fait. Hein. Mais c'est pas grave, on est suffisamment costaud pour que la plupart du temps on nous fiche la paix et qu'on cède. Mais c'est aussi un problème finalement qu'on cède. La légitimité faible du gouvernement. On pourrait aller passer des lois. La protection des travailleurs. On va tenter, hein. Alors c'est une institution, donc fatalement, ça piquera. Le vent du changement. On a urbanisé la Chine. Oh, truc de fou. Je m'y attendais pas celle-là. Là, on a les administrations qui sont en attente. Révolution. Ils sont partis. On va rien faire, on va les réprimer maintenant. On en a marre hein, là. On en a gros. Eux, il faut qu'ils deviennent minimisés. Là, il faut augmenter les lettrés, les industriels, il faut augmenter tout le monde, sauf les ruraux, les forces armées et les fonctionnaires érudits, là. Donc, je vais essayer d'aller enlever un impôt. Sur le pium, ça m'étonnerait beaucoup. Sur les services aussi. Donc, je ne vais pas enlever d'impôt. Il faut stabiliser le pays. On a trop de radicaux. Disons ils veulent venir mais ils viendront pas. Hein. Ouh des manœuvres diplomatiques, ça c'est bien ça. Voilà, ils sont pas venus. Bah encore un coup d'état. Heureusement on peut en faire plein. Alors, transfert un sujet. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'on n'allait pas venir y chercher tes Indes au petit... Les Indes du petit... Pays-Bas. Et s'ils refusent, je demande plein d'autres trucs. D'ailleurs, je vais les demander tout de suite. Parce que je suis comme ça. Mais je vais attendre de voir ce que les gens proposent.
Mais j'ai plus de manœuvres. Bon, je fais vraiment beaucoup d'argent, mais pour l'instant, on va rester comme ça. Ou pas. Pinot Keeper, ça me concerne tellement pas. Bien militaire coûteux, ouais. Le vert. Alors ici. Andra. C'est des gens courts, Hokkaido. Ostok. Bien bad. Donc les voies ferrées, le problème, c'est que j'ai eu celle de... Il y a un pays dont j'ai perdu les voies ferrées. Les retrouver. Parfait. Bien. On est vraiment bien là. Hein. On est loin d'avoir fini tout ce qu'on voulait faire. Comme construction. On n'est pas si mal. Alors tu me dis que le vert, on n'est toujours pas bon. Est-ce que je tente de... Le pétrole? Non, je tente pas le pétrole. Faut aller faire une autre verrerie quelque part. Il y en avait une justement à Viperabad. Ok. J'aimerais bien quand même faire quelques centrales électriques de plus. Et là aussi. Ouais, mais on monte à 2000 là. Faut se calmer. Faut se calmer, mais en même temps, je fais du 3005. En même temps, ces 2000 là ne représentent que 4 ans. Attente. Alors. On augmente les syndicats des travailleurs. Voilà. Et on a nos trucs améliorés là.
Il est tout seul. Non, il n'est pas tout seul. Assez. Mingdao, Xintang. Et les Indes orientales elles-mêmes. Oh là là. Donc assez. Conquérir l'État, assez. Ça serait 24. Transférer un sujet. Non. En faire un fantoche, assez. 19. Hop. Mangano et Sintang. Vingt et 14. Ah bah je peux pas. Je pourrais faire des Pays-Bas en état fantoche, mais non. Non, on va pas faire ça. Xintang 11. Combien il me reste là? Faut optimiser 95. En fait, 82. Tidor. Ben oui, Tidor, bien sûr. Il nous reste 35 manœuvres, donc Babanjar. C'est où Yogyakarta? C'est là. Hop. Conquérir un état. Côte d'Ivoire, Gabon, Nouvelle-Guinée orientale. Tiboula. Le Bornéo. C'est où le Bornéo? Je sais pas où est le Bornéo. Ça doit être là. Voilà. On a plus de points, mais de toute façon, il va me céder les Indes, il va me rien donner des autres. À tous les coups. Après, s'il veut se battre, allez, go! Go, bébé! Il va faire comme l'anglais, il va se coucher. L'anglais, le prochain truc que je lui demande, c'est les Nouvelles-Galles du Sud. On n'avait pas prévu de prendre l'Australie, mais. Alors, où est-ce qu'il y a du pétrole? En Perse. Ok. La Perse étant indépendante, je dis pas non. Je sens qu'on va s'étendre un peu. Désolé, mais j'ai besoin du pétrole. Hein. Alors, je voudrais éviter d'aller prendre les États-Unis. Ça y est, il m'a donné le truc. Il n'y a pas de guerre. C'était prévisible. Hein. On n'aura pas tant de trucs que ça parce que. Ben voilà quoi. On va faire beaucoup de faux coups en fait. Ceci dit, donc du coup je l'annexe immédiatement. Hein. Nouvelle guerre juste après pour l'annexion. On mobilise tout le monde. Une fois annexé, on aura des frontières pour pouvoir attaquer un peu partout. Ce serait bien de prendre Brunei aussi. De toute façon, on va attaquer. Hein. On aura toujours une guerre en cours maintenant. Plus que 1700, donc ça a quand même bien construit. Et là, on fait du fric. Temporairement, mais pas tant temporairement que ça. Clairement, il me refaut un peu d'administration. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gares en cours, donc je vais pas toucher à ça.
Les Indes néerlandaises, oui, mais... Ah! Le portugais veut s'en mêler. Il y a plein de monde! Mais c'est génial! Il faut qu'on fasse cette guerre. Il faut que cette guerre se fasse. Sulu. Ça, c'est Sulu. Sulu, c'est 35 si je le conquiers. Fantoche, c'est pas cher. Allez hop. Non, 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 non. transférer des sujets. On recommence. Hein. Les Philippines espagnoles, bien sûr. Hein, ça, c'est mon premier objectif. Oui. Eh oui. Bien sûr. Tidore, ouais, c'est un gros Tidore. Cuba, non, Banjar, oui. Mais combien il me reste? 32, donc 18 après, Jambi, ouais. Voilà, et là il me reste plus qu'un point, donc... Et Banjar, Jambi. Tidore et les Philippines, si cette guerre pouvait se faire, ça serait juste merveilleux, quoi. Après, j'y crois pas. Hein. Ah, je pourrais mettre des gens ici. Ah, j'ai oublié de demander les ports de traité aux Portugais. Mais Navic, c'est trop cher. Ouais, c'est beaucoup trop cher. C'est pas grave. Du coup, on va quand même y mettre. Voilà, 1590, ça descend bien, on est à 1900 ici. Hein. Et on fait 800 de bénéf. On commence enfin à pouvoir profiter des fruits. Convoyeur disponible. Alors, on a quand même des bâtiments qui n'étaient pas cétés au max. Hein. Mais ça l'est maintenant. Chaîne de montage, allez hop. Non, le pétrole, on est pas cap. On n'est pas cap. Hein. Là, on passe à l'électrique. Là, c'est pareil, c'est du pétrole, je veux pas. Ouch. On va voir déjà si on est capable d'encaisser ça au niveau électricité. Pétrole, d'accord. J'ai mis du pétrole quelque part. Fabrique d'outils, industrie automobile. Ok. Je pense que l'industrie automobile, ça peut le faire. C'est les fabriques d'outils, on peut pas. Et pénurie d'outils. Ça peut se régler. Pour l'instant, on touche plus à rien. Et on part chercher nos outillages. Faire ça là. Sinon, je vais pas voir venir. On fait du 4000 de production quand même. Hein. Ah oui, ça joue un peu lentement en ce moment, mais bon. On a beaucoup de travail.
Et on a une interface qui nous aide pas beaucoup. Allez hop. Imagine que tu vas céder. Non, parce qu'à la base, c'était juste l'annexion du truc, quoi. Mais si vous voulez vous battre, moi je suis toujours partant. Hein. 10 fois plus rentable pour moi. D'autant plus que je dois faire une. Je transfère le vassal et une annexion. Donc. Des deux guerres pour un seul truc. C'est pour ça que je voudrais viser des trucs assez gros finalement. Les petits trucs risquent de m'échapper dû aux mécaniques de guerre. Et au fait qu'ils cèdent. Mais après le fait qu'ils cèdent, ça peut se confondre. D'abord j'ai montré que je suis bien un infâme. C'est eux qui l'ont décidé. Avec leur critères du départ là, tu prends 200 quand tu te révoltes. C'est sérieux, on va faire cette guerre? Mais c'est génial. Les saletés. Les saletés. Ils se sont dégonflés au dernier moment. C'est honteux. Honteux. Allez hop. J'en mets 10, ça devrait peut-être suffire là, ça pourrait avancer. Le Schmelblick. En tout cas, on va avoir aussi pas mal de ressources ici. Ah, on a développé l'industrie pétrolière. Voilà. Oh. Alors ça par contre, il y a du pétrole au Japon. Pas beaucoup. Pas beaucoup beaucoup. Ah, je fais tout le pétrole possible hein. Donc la chasse à la baleine, go go go. Plus les baleines, il y en a plein partout dans l'océan. Ça risque pas de tomber en pénurie hein. Moteur à combustion, non pas que je le veuille pour l'instant, parce que clairement on fait pas assez de pétrole. Malgré ce qu'ils disent. Alors beaucoup des recherches que l'on va faire maintenant ne sont plus très utiles. C'est combien là? 34, donc j'en fais 10. Là j'en fais 10 aussi. Lambda. 10. Donc sous 5 devrait suffire. Chongqing 5. Nouvelle-Guinée. Région étatique isolée, c'est la Nouvelle-Guinée, c'est ça? Je m'en doutais. Bien. 4000 de production. Du gentil bénévole qui nous ont rejoint. Obligé de naviguer dans les 100 pages et pareil, ils ont pas prévu qu'on puisse se déplacer de 10 pages en 10 pages quoi. À croire qu'ils ont pas joué à leur jeu au-delà d'une certaine date. Ou plus probablement, comme c'est paradoxe, ils sortent le jeu comme ça et on l'améliorera au fur et à mesure. Je pourrais me mêler de l'histoire de l'anglais ou pas? Ça pourrait être rigolo. Footage Jalon, non, c'est l'histoire en Afrique, ça m'intéresse pas. Pays-Bas contre le Niger. Vite à vie, c'est de la conquête, c'est bien, ça m'arrange. Parce que moi je colonise pas, donc ça m'arrange. Donc on peut toujours pas faire des trucs dans notre pays, hein.
Ah bah on va s'essayer ici, chez les Kazakhs, ça doit être juste ça. Ou non, ça doit être plutôt là-haut les Kazakhs. Ou là. Ah je sais pas, ils sont quelque part. Bon, en attendant, du coup, faut que je lance un coup tout de suite. La Perse, désolé, mais t'as du pétrole. Et... Ouh. Il y a du monde qui veut se rajouter à la Perse. Alors là, ça c'est génial. Le Sindh, le Kalat. C'est quoi le Sindh? D'accord. Le Kalat, l'Afghanistan et le Bukhara. Bah écoutez, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Je ne demande que ça. Transférer le Kalat. Ah, c'est parce que c'est à lui. Transférer le Grand-Duché de Finlande. Ah, la Russie s'est mise dedans. Ah, alors. Transférer le Kalat. J'imagine que le Kalat, il appartient à quelqu'un là. Un pack défensif, une douanière. Non. À qui appartient le Kalat alors? Un protectorat de la Russie. Ah, bah c'est pour ça. L'Afghanistan. Non, le Sindh. Ok, bon, on va voir déjà ce qu'on peut faire. Très bien. Donc, transfert un sujet, le Kalat. Transfert un sujet, l'Imana caucasien. Ah, oh, oui, non. Ah, sans façon. Ajouter un objectif de guerre. En faire un pays fantoche, l'Afghanistan. Prendre un port de traité. Non. Je veux pas prendre moi des ports de traité. C'est reprendre un port de traité. Y a pas. Conquérir quelques états alors. Puisque la Russie se mêle de mes affaires. Ma chère Russie. Je vais te conquérir le Tchouko là. Quoique je préférerais d'abord faire ça. Irkoust. Conquérir un état, combien il me reste de points? 48. Tomsk. Alors, on peut pas les classer, hein, mais on voit bien que le minimum c'est un 15. Il y a des 11. Et des 10, mais c'est des nouvelles Guinées. Ouais. Bon, après, on ira prendre ces choses-là s'il le faut. Irkoustomsk. On passe beaucoup de temps dans les menus sans que le jeu n'avance, hein. Tout ça pour un truc qu'on va pas avoir parce que la Perse, elle va céder à tous les coups. Conquérir un état, il me reste 22 et Minsk. Minsk, c'est un peu loin, non? C'est pas ça. Mais il me reste 22. 23. Et un 22 là, c'est Meretui. Bah voilà. Parfait, 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 parfait. Et donc, normalement, il me reste un point exact. Puis on a pris les 3 là. Nickel. En plus de. Bah. L'Afghanistan, le Karat, le Sindh, je sais pas. Bon, en tout cas, on va mobiliser. On va les détruire. Nos bâtiments en trop, comme d'hab. Ils viennent d'où, eux? D'Indonésie. Ah, je peux pas. Je peux pas détruire. On a une révolte en cours. Hop.
Et probablement, on n'a pas assez de généraux. Voilà, ici, il nous en manque deux, clairement, au nord de la chute. Ah, ou pas. Bien. Ça pourrait être sympa si la Perse ne cède pas. Notamment, ça nous permettrait de grignoter trois États à la Russie. Bon, le milliard de population, on va l'avoir, hein. Si le jeu ne crame pas avant. Oh là 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 là, le moteur à combustion, il n'est pas question qu'on s'en serve. Hein. Dans le jeu, j'ai jamais réussi à me servir de moteur à combustion. Pourquoi? Parce que le pétrole apparaît au fur et à mesure, et je suis toujours en avance. Et donc du coup, au moment où ces technologies apparaissent, par rapport à mes besoins, j'ai une industrie de malade. Si je veux utiliser des trucs de pétrole, il me faudrait du pétrole de malade. Et le pétrole, il n'est pas là, il n'est pas présent sur la map. Alors même en courant après un peu partout dans le monde, on n'en aurait pas assez, quoi. Parce que plus on courrait partout, plus on aurait des besoins et plus on aurait de l'industrie, comme on peut le voir là. Alors là, je suis neutre. Là aussi. Alors, ils sont mes Kazakhs. Où qui sont les Kazakhs? On est bien, on est en train de descendre à 1400. On ira voir ensuite ce qu'on peut faire. Supprimer quelques bâtiments. Regarder où les tarifs. Voir si on n'a pas des manques. Alors là par contre, normalement les gares s'étaient lancées. Hein. Elles sont en route. Elles sont en route. Ah voilà mon soulèvement. Pour l'instant je mets... allez. On va mettre quelqu'un dessus. Ouais. Alors la guerre a l'air de vouloir se faire. Hein. On va essayer de torcher avec la Russie en débarquant. Je sais pas quel est son niveau de puissance à la Russie actuellement. ...2670, et moi... ...14000, voilà. Battez-vous en duel. Ah non. C'est des tranchées. Troupes d'assaut, ouais. Troupes d'assaut, c'est bon, ça. Bien, donc, on ne traîne pas pour les débarquements. La Russie contre la Grande-Bretagne. Oh, c'est pas bon là ce qui t'arrive, gars. Pourquoi t'as voulu. Tu veux intervenir partout comme si t'étais une grande puissance, mais tu n'en es pas une. Ah, quand même, il y a des troupes là. Hein. Ah, l'Empire Ottoman, il est en guerre contre moi. Bah, dis donc. Bah, empire, une petite tache ottomane hein, au milieu du truc, quoi. Alors évidemment, on va aussi du coup faire une invasion navale en Thrace. En espérant que l'Empire Ottoman, sa capitale, soit bien là. Ouais. Ah, j'ai pris le mec qui était là. Allons voir comment il se porte. Pour l'instant, tout le monde va bien. Il y en a quand même un à 96.
Ok. Donc l'anglais, il est en train de perdre contre le russe. Il est mauvais. Ah oui, d'accord, mais il a... Merde, il a pris le truc que je voulais prendre. Eh, dis donc. T'es mignon, mais... Comment je fais, moi, après, derrière? Sécession. Les Moluquois. Enfin, me faire un peu la... Arrêter de m'embêter, là. Bon, ça, on devrait le régler vite. On pourra aller s'occuper de nos Moluquois, ensuite. Ici. On a des sécessions, je peux pas nettoyer. Le caoutchouc, c'est très bon. Je suis en train de faire des réserves de fric, c'est pas net tout ça. Hein. Et je suis en train d'envahir. Partout. Donc ils vont tous finir par céder. Sauf là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah bah là il se passe que je roule dessus. J'avais fait un autre débarquement ici. Eh ben je roule dessus aussi. Attends, attends, attends. Il me faut un bonhomme. C'est ça le petit Boukia, c'est sa capitale. L'Ottoman, t'as mis où tes troupes? Dis-moi. Le russe, oh là là, le russe, oh là 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 là, ça picote. Puis là, on va arriver à une nouvelle frontière avec la Russie. Du coup, je peux autant prendre un petit bonhomme ici. Bah non, pas celui-là. Il tient en bataille. Et lui dire de venir là. Hop là. C'est quoi ça? Ah, c'est ma future truc. Oui, mais on n'est pas encore. C'est quoi ça? Les soulèvements Moluquois. Je t'envoie des gens dès que lui il a fini. Je pourrais t'envoyer un de ceux qui est là. Et là, on a un front. On a des fronts de partout. Hein. Ah, on a une brèche. Ça doit être celle-là. Et là. L'Ottoman, de toute façon, il va sortir. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je sais, il y a des fronts de partout. Il y a des fronts de partout. Alors, ils en sont où? Bah non, hein, on n'en est pas prêt de sortir. Ah non! Ah ça m'énerve! Ça m'énerve parce que maintenant il va falloir que j'attaque le soulèvement machin là. Alors ça, c'est vraiment un mécanisme qui me pourrit la vie. Quand on attaque un truc, il se rebelle contre lui-même. On n'a même pas le temps de... C'est même pas qu'on traîne, hein. Et du coup, eh ben on doit le rattaquer derrière. Alors là, je m'en fous un peu parce que je suis full d'infamie. Mais comme je peux déclencher qu'un coup en même temps, ben pour le récupérer, je vais perdre une demi-année, voire plus. Bon, l'Ottoman, il y a un moment, il pourrait sortir de la guerre. Mais il est où l'Ottoman? Perse, Russie, il est pas dedans. Pourquoi il est pas dedans? Pourquoi l'Ottoman est dans la guerre? Qu'est-ce que je fous en guerre contre l'Ottoman? Il est même pas dans la liste des pays. Du coup, c'est con ce que je fais.
Le signe des sorties. Ouais, super. Voilà, bah oui. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a les Kazakhs, les autres Kazakhs. Bon, l'Empire Ottoman, c'est terminé. Je dois avoir récupéré pas mal de troupes, là. Hop, une là. Et Luyang, ça serait bien que tu débarques en Perse. Elle est où ta capitale, Perse? Oui. C'est pas Luyang, c'est Lupen, ça. Du coup, il est où le front où il n'y a rien? Il est là. On en a d'autres des fronts où il n'y a rien. Ah non, 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 voilà. Ici. L'agitation politique, yes. On va avoir des nouveaux problèmes. Kazakh radicaliste contre les Kazakhs. Ouais. Encore un trou. On n'a pas une... Tiens toi. Il me fatigue, il va me jeter à la mer. Tiens, l'Afghanistan est un pays fantoche. Prendre un des ce qui est là, pas lui, lui. Pas trop compris en quoi ça consistait là-bas. On manque un peu d'administration, donc j'ai deux pays à attaquer là. Le mouvement Yetuan, voilà. Donc ça, dès qu'on a l'agitation, il y a les Han qui s'énervent. Les relations, 20% deviennent plus radicaux. Non, non, je veux pas ça. Protestants, catholiques et 10% radicaux seulement. En fait, pour arrêter ça, il faut juste prendre ça. Donc il va falloir que je fasse une guerre au Portugal très vite pour prendre ça. On avait Omen dans la guerre apparemment. La bourgeoisie. Hop là. Oh ça, ça va être très très bon, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Moi, ce que j'aimerais aller chercher, c'est l'aviation. J'ai hâte de commencer à faire des avions. Ok, là, il est en train de contre-attaquer. C'est pas question qu'il fasse ça. On pourrait y arriver, là, non? Non, on peut pas. Hein. Parce qu'ils sont tous passés là-bas. Bah oui, normal. Là, tu mets 15 jours pour venir. Mais oui, normal encore. Et la Russie, elle lâche pas. Hein. Ah si, elle lâche. Pardon. Donc le Kazakh, tu te sens un peu... Hein, bah oui. Bon, au moins, on a une petite extension qui se fait tranquille jusqu'à la Perse.
On va essayer de finir ces deux guerres. On a des troupes qui se font rien. Et on n'a plus que 500 en attente. Donc on a super produit pendant cet épisode qui était un petit peu plus long que prévu, mais j'aime pas m'arrêter au milieu d'une guerre, donc je continue. Désolé. Et là déjà plus que 447. Ah! Est-ce qu'il y aurait des fronts en fait? Où j'aurais mis personne? Le problème c'est qu'il y a peut-être des petites îles qui se sont rebellés et que j'ai pas attaqué. Bah c'est ça. Non, même pas. Bon, ça, on va s'arrêter avec la Perse. Hein. Parce que les Moluques, ça peut être très long finalement. Quand on... Ah, attendez. C'est long. Et la Perse, c'est gagné aussi. Voilà, la Perse est un pays fantoche. L'Afghanistan aussi. Le Katat, t'avais pas demandé, toi? Normalement, t'es devenu un de mes fantoches, hein. Protectorat! Ah, c'est un protectorat! Bah oui, j'ai demandé leur récupération et j'ai récupéré un protectorat. Eh ben, on a des trucs à déclarer, hein, des guerres à déclarer. L'annexion de la Perse, on peut pas parce qu'on l'a ciblé, mais on va pouvoir annexer l'Afghanistan. Attaquer le Kazakh. Et il faut éviter de laisser passer les trêves, notamment avec l'Angleterre. Je sais pas quand est ma trêve avec l'Angleterre. Annexer. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, tout ce qu'on a annexé. En faire un pays fantoche, l'Angleterre, on peut pas parce que c'est en 95. C'est bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Thank you.